Quand Patrick Roy jouait pour les Bisons de Granby, jamais il aurait songé un jour voir un trophée en son nom. D'avoir vu la Ligue progresser, d'avoir vu la Ligue continuellement chercher à justement encadrer nos joueurs, fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis extrêmement fier de voir mon nom attaché justement à un trophée. Pour le commissaire Mario Cecchini, le trophée Patrick Roy était devenu inévitable. Comment ne pas citer ce que vous-même, des fois, dans les médias, avez dit souvent? Voilà un homme qui n'avait pas nécessairement besoin de revenir dans le junior, de se taper les voyages d'autobus. Je pense que l'héritage, en quelques mots, là, c'est comme ça que je vous la décrirais. Je pense que c'est un exemple à suivre en ce sens-là. Pour les amateurs croisés, il y avait unanimité. Excellente idée. Franchement, avec tout ce qu'il a fait pour le hockey junior, il mérite amplement. Il a tout fait pour la Ligue, là. Et tous les efforts qu'il a fait ici, là, c'est pointable, là. Les meilleurs goalers de la Ligue nationale, moi, je dis que ça vaut la peine d'avoir un trophée Patrick Roy. Comme ambassadeur de la Ligue, je trouve ça plein de mérité. Patrick Roy, on n'a pas deux, hein? On a un. Jacques Tanguay souhaite, lui, que la Ville de Québec imite la LHJMQ et honore à son tour Patrick Roy. Le prochain hommage, j'espère qu'il va être à la place Jean Béliveau, puis ça devrait revenir assez rapidement également. C'est un icône du hockey. Patrick Roy! Patrick Roy a aussi été le plus applaudi lors de la cérémonie pour la levée des trois bannières de champion de la dernière saison, qui restera marquée à jamais. Encore aujourd'hui, les gens sont au rendez-vous, puis ils nous donnent. Ils ont toujours donné de l'amour à l'équipe, et ça, là-dessus, j'en suis extrêmement reconnaissant. Et on est champions à vie, puis on va être des frères à jamais. Il y a aussi la bannière de Patrick Roy qui était complète pour le second séjour débutant en 2018. Mais vite, il invite les Remparts à boucler la boucle. Il peut mettre 2023. Ouais. J'ignore ce que l'avenir me réserve comme entraîneur-chef, mais si c'était la fin, c'est une très belle fin. La fin d'une époque aussi pour Québec. Stéphane Turcot, à Québec.